Ce qui fait de nous chrétiens, ce n'est pas l'appartenance à un bâtiment, à une église, des maisons. Ce n'est pas l'appartenance à un groupe de personnes. Pas du tout. Ce qui fait de nous des chrétiens, c'est-à-dire des personnes qui vivent comme Christ, qui manifestent les caractéristiques de Christ, c'est la puissance qu'il y a dans ce nom qui coule dans nos vies. La puissance du nom de Yeshua. Vous savez, nous sommes, je suis né dans une église pentecôtiste. On nous a enseigné dès notre conversion sur la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous voyez? Et même des versions de Bible telles que Louis Segond, que beaucoup de chrétiens utilisent, Louis Segond était un grand partisan de la Trinité. Et parce que Dieu est tellement grand et que l'homme mortel n'arrive pas à le comprendre, à le cerner, ce Dieu a été disséqué en trois personnes distinctes. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens se disent, mais lequel prier? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Alors, beaucoup, justement, comme certains ministères qu'on a connus, avec lesquels on a travaillé, ont commencé à remettre en cause la divinité de ce Dieu, de Jésus-Christ. Et ça, c'est grave. Bon. On nous a dit que le Père est une personne à part entière, le Fils est une personne à part entière, le Saint-Esprit également. Ok. Je vous pose la question, Marie, était-on enceinte? Comment? Par la vertu du Saint-Esprit. Qui croit que c'est biblique, ça? C'est biblique. Ok. Bon, maintenant, on est d'accord que Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Bon. L'ange Gabriel lui a dit, l'enfant que tu vas porter, n'est-ce pas, notamment à Joseph, l'enfant que ta femme va concevoir, vient du Saint-Esprit. C'est bien écrit. D'accord? Maintenant, dans nos églises, on nous a tellement enseigné, c'est le cas encore actuellement, que il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, selon cette conception complètement démoniaque, parce que c'est Tertullien qui est le premier à parler de cela, et ensuite Athanase, et au concile de, n'est-ce pas, d'Éphèse, au concile, pardon, de Thessalonique, la Trinité est devenue une doctrine incontournable dans la chrétienté actuelle. Maintenant, si le Saint-Esprit est une personne à part entière, indépendante du Père. Alors comment maintenant ces messieurs, ces hommes, ces prédicateurs, ces enseignants peuvent-ils, qui nous explique dans ce cas-là pourquoi appelle-t-on Jésus-Christ fils du Père? Parce que c'est le Saint-Esprit qui aurait, n'est-ce pas, ensemencé Marie. Qui a ensemencé Marie? Et si le Saint-Esprit n'est pas le Père, mais pourquoi n'appelle-t-on pas Jésus-Christ fils du Saint-Esprit? Dans ce cas-là, le Père serait conçu par le Saint-Esprit, par la troisième personne de la Trinité. Dis à ton voisin, il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc vous voyez, la Trinité, c'est vraiment une doctrine démoniaque. On a coupé Dieu en trois dieux. Et beaucoup de chrétiens, quand ils lisent ces écrits qui disent que Jésus-Christ est assis à la droite du Père, dans la pensée de ces chrétiens, c'est-à-dire sur le trône, il y a le Père qui est assis là. Et à sa droite, il y a Jésus-Christ. Mais pourtant, quand Jean arrive au ciel, dans Apocalypse 4, la Bible dit que Jean entend une voix qui lui dit, monte ici. Et quand il monte au ciel, il n'a pas vu Jésus assis à la droite du Père. Il va voir une personne qui a une seule personne. Il n'a pas dit trois personnes. Une seule personne qui est assise sur le trône. Et qui ressemble à une pierre. Mes amis, Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Bizarrement, même dans le grec, le nom est au singulier. Ça veut dire que le Père, Fils et Saint-Esprit portent un seul nom. Voyez, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ça, c'est la prière la plus connue, la prière juive, la foi, la confession de foi juive. C'est-à-dire, pour un juif, vous savez pourquoi beaucoup de juifs ne se convertissent pas avec le message que nous avons? C'est parce qu'ils disent, vous les chrétiens, vous avez trois dieux. Les musulmans, c'est pareil. Vous voyez? C'est pour cela qu'ils ne veulent pas se convertir. Paul n'a jamais enseigné cela. Pierre n'a jamais enseigné cela. Jacques non plus. Et l'apôtre Paul disait qu'à la fin de temps, l'Esprit dit expressément que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. La Trinité est une doctrine démoniaque que nous devons dénoncer, nous qui sommes amoureux du Seigneur Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Vous êtes quelqu'un entendu? Amen. Les religieux seront secoués. Et vous savez, dans la chrétienté, que quand on touche la Trinité, on dit non, secte. Qui sont ceux qui aiment la vérité? Eh bien, donnez-moi un seul verset où on a écrit dans la Trinité. Ça n'existait pas. Ça vient de l'homme. Baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et quand les apôtres ont baptisé, ils ont baptisé comment? Le Seigneur dit dans Jean 17, lisons-le. Est-ce que nous pouvons tous lire le verset 6? Jean chapitre 17, le verset 6. Est-ce que nous pouvons y aller tous ensemble? 1, 2, 3. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Donc, qui est d'accord avec cette parole que Pierre, Jacques et Jean connaissaient le nom du Père? Parce que Jésus le dit, je leur ai fait connaître ton nom. Nous sommes d'accord. Et on va lire toujours dans Jean 17. Le verset 26. Est-ce que nous pouvons le lire tous ensemble à haute voix? 1, 2, 3. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître. Ok. Je leur fais connaître ton nom et je leur ferai connaître. Alors, un des grands docteurs de la parole, suivi par beaucoup de monde, ici en France, en français d'origine, n'est-ce pas, a envoyé un mail à un des frères avec lequel nous travaillons pour dire Chora Derei en disant que le nom du Père, c'est Jésus. Alors, ce frère lui dit, d'accord, ce monsieur dit, le Père n'est pas... Le Père et le Fils ne sont pas... En fait, le Fils n'est pas la même personne que le Père. Le frère était choqué. Et le frère lui donne le verset biblique. Et ce monsieur n'a pas voulu continuer la discussion. Il s'est retiré parce qu'il n'y a pas d'argument. Je vais vous dire une chose. Dans Matthieu 25, il est dit que les 10 vierges s'étaient endormies, assoupies et endormies. C'est-à-dire aussi bien les églises paganisées que la majorité des églises est dites chrétiennes. D'accord? Endormis. Où sont les guérisons bibliques dans nos églises? Même dans vos églises de maison, où sont les guérisons bibliques? Où est le réveil? Où sont les délivrances naturelles? Alléluia. Amen. Moi, je suis un révolté. C'est-à-dire, si vous voulez me prêcher, si vous prêchez un Dieu qui soi-disant guérit, délivre, libère, tout ça parle, s'il ne parle pas, s'il ne guérit pas, s'il ne délivre pas, je ne peux pas le suivre. Alors, je veux vous dire, vous qui enseignez dans vos églises de maison, dans vos bâtiments, s'il n'y a pas de guérison dans vos prédications, arrêtez de prêcher, allez chercher Dieu. Amen. C'est ça, Jésus. Vous ne pouvez pas prêcher un Dieu qui guérit sans guérir. Ça. Vous ne pouvez pas prêcher un Dieu qui... D'ailleurs, le nom de ce Dieu signifie délivrance. Amen. Mais quand on porte ce nom-là, automatiquement, la délivrance nous poursuit, la délivrance nous accompagne. D'ailleurs, il a dit...
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais si tu as cru en ce Dieu et que tu n'es pas accompagné, c'est qu'il y a un problème. Il faut revoir notre position. Soyons suffisamment honnêtes pour pouvoir s'asseoir et dire, là, pendant 20 ans, 30 ans, j'ai essayé de prêcher, il n'y a rien, j'arrête, je cherche Dieu. Moi, je dis au Seigneur, si je ne vois rien dans tout ce qui est écrit, parce que je crois fermement à ce qui est écrit, s'il n'y a rien, j'arrête. Pourquoi me prendre la tête? Non, Seigneur, non, il n'y a pas l'argent pour payer la maison, pour payer la... Mais s'il n'y a pas, on le fait. Mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses, frères et sœurs. Je leur ai fait connaître ton nom. Connaître le nom de Dieu est capital pour ceux, et même indispensable pour ceux et celles qui veulent aller au ciel. Je ne prends pas de la connaissance intellectuelle. D'accord? Alléluia. Amen. Alors, voyez, le Seigneur a dit clairement que je leur ai fait connaître ton nom. Alors, ce monsieur qui enseigne ici et là, il dit que le nom de Dieu dans le Nouveau Testament est Père. Non, non, attends, ça c'est du mensonge. Mais c'est du pur mensonge. Père n'est pas un nom de... Vous savez, ça c'est... Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Père. C'est un substantif. Père, mais quel père ici? Si je l'appelle père ici, beaucoup de gens vont se lever parce qu'il y a beaucoup de pères ici. Nous sommes d'accord ou pas? Ok. Alors frère, un jour, Philippe dit à Christ, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. C'est écrit, non? Le Seigneur a répondu comment? Celui qui a vu avec le Père. Avant même qu'il nous dise cela. Il y a si longtemps. Attends. Vous voyez, non? Vous voulez qu'on le lise, n'est-ce pas? Vous êtes fatigué? Ah, j'aime la parole de Dieu. J'aime le Seigneur. Jean 14. Excusez-nous pour le retard. On est arrivé à 3h du matin, enfin à 2h du matin. Et on s'est couché vers 3h. Jean 14, chapitre 14, verset. Et chapitre 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Voilà. Parce que toi, on t'a vu depuis des années, on te voit, depuis des années, on te voit. Maintenant, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Qu'est-ce que le Seigneur répond? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Attends. Ok, je pose la question à mon frère Goffin. Goffin, montre-moi Jacques. Bon, est-ce que s'il répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas vu, ça veut dire quoi? Non, on va prendre un bon autre exemple. Goffin, montre-nous Chora. Vous savez pertinemment que Chora n'est pas Goffin, Goffin n'est pas Chora. Et Goffin vous répond maintenant, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas vu, je suis convaincu que vous allez l'attraper, l'amener dans un asile. Vrai ou faux? S'il répond à la première personne du singulier, ça veut dire que là, il déraille. Mais là, le Seigneur répond, n'est-ce pas, comme ça. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Waouh! Il aurait dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne l'as pas connu, lui, au travers de moi. Mais non, il n'a pas dit ça. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu, a vu le Père. Alors, dans notre compréhension des choses, on veut tellement, on a une approche charnelle de Dieu. Déjà, nous avons du mal à saisir la création, parce que c'est énorme. Et Dieu qui est hors la création, hors du temps, nous l'avons emmené à la dimension charnelle et on l'a disséqué. Pourquoi? Parce que
On se dit, mais oui, c'est bizarre quand même, Jésus est sur terre, et puis et quelqu'un d'autre lui parle depuis le ciel. Et en même temps, on dit, quand il était sur terre, il était 100% homme et 100% homme. En même temps, Jésus dit que le Père est en moi et je suis en. Paul dit quoi? En lui habite quoi? Corporellement, une partie de la plénitude, de la divinité, pardon. Toute la plénitude de la divinité. Waouh! Bon, maintenant, comment ça se fait que dans ce corps-là, toute la plénitude de la divinité habitée, comment ça se fait qu'une autre voix sorte du ciel là-bas? Regarde avec la technologie déjà, la nature des ancêtres. Je suis ici, je parle au micro. Ceux qui sont en Australie peuvent m'entendre aussi en même temps, pourtant je suis ici. Est-ce que ça vous choque? Non. Mais plutôt à l'époque des pierres, s'il y avait cette technologie, ils allaient dire c'est la sorcellerie. Vrai ou faux? Voyez comment nous sommes charnels. Hein? Maintenant que Dieu parle à la fois sur terre et là-haut, on dit non, c'est pas possible, il y a deux dieux. Est-ce que vous commencez à comprendre un peu les choses? Les trinitaires, le nom du Père. C'est important que vous le sachiez. Parce que les dix vierges sont endormies. Et on nous dit qu'à minuit, quelqu'un crie. Voici qui? Voici l'époux. Le message qui doit te préparer, comme tu le sais, au retour du Seigneur, à nos noces, c'est la révélation de ce Dieu. Qui est Dieu? Quel est son nom? Et la Bible dit, mes amis, Jésus dit que je leur ai fait connaître ton nom. Pierre était là quand le Seigneur a dit cela. Qui est d'accord? Et quand le Seigneur a dit ça, Pierre était là. Pierre connaissait le nom du Père. Ok, Actes chapitre 4. On connaît ce passage. Nous sommes dans une semaine aussi d'enseignement, hein, c'est de partage de la parole. Les amoureux de la parole, mes amis, nous allons nous réjouir de toutes ces délices que le Seigneur nous donne, frères et sœurs. Actes chapitre 4, verset 12, on le sait. On va le lire à haute voix tous ensemble. Alléluia, gloire à Dieu. Vous allez aller démonter les trinitaires là, tout ça, cette doctrine démoniaque. Ils ont mis une hiérarchie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit à la dernière position. Et maintenant, dans Actes 4, 12, on va le lire tous ensemble à haute voix. 1, 2, 3. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Ok. C'est terrible ce que la parole dit ici. Hein. Pierre dit, il n'y a de salut en aucun autre. D'accord? Car aucun autre nom nous est donné sous le ciel. C'est bien dit, aucun autre nom. Frère, je vois comment les démons tremblent depuis que le Seigneur révèle de plus en plus son nom. Il y a deux samedis, on a eu, c'est juste un exemple comme ça. Je n'ai même pas pu finir l'enseignement. À chaque fois que je parlais, pratiquement, les démons se manifestaient et un qui m'insultait. Seul le nom de Dieu fait trembler l'enfer. Ce n'est pas une église, qu'elle soit bâtiment ou dans une maison, tout ça là. Ce n'est pas le nom d'un. Ça, vous le savez, frères et sœurs. Si vous connaissez le nom de Dieu de manière intellectuelle, vous ne vivrez pas les guérisons, les miracles qui l'accompagnent. D'accord? Amen. Pierre reçoit la révélation et quand Christ va partir au ciel, Pierre se lève devant le Sanhédrin, il l'annonce avec une telle affirmation, avec une telle conviction qu'il y a de salut à aucun autre nom. Pourtant, ces Hébreux, ce Sanhédrin, ces sacrificateurs avaient le nom, n'est-ce pas, qu'ils ne pouvaient pas se prononcer. Il l'appelait Hachem, le nom. Parce qu'il ne fallait pas prendre ce nom en vain. Le nom de. C'est-à-dire le tétragramme. Il prononçait seulement Hachem, le nom. Voyez? Et Dieu était loin d'eux. Parce que le nom, ils avaient peur de prononcer le nom de Dieu.
Surtout depuis la destruction du temple. Il ne fallait plus prononcer le nom de Dieu. Et vous savez, quand le temple était construit, le nom de Dieu ne pouvait pas être prononcé hors du temple. C'était dans le temple qu'il fallait prononcer le nom de Dieu. Et là, maintenant, Pierre se lève devant ces hommes et ces femmes, devant ces grands messieurs, docteurs de la loi, et il affirme qu'il y a de salut, de guérison, de miracle, de restauration en aucun autre nom sous le ciel. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Faisons-nous un nom. Et Pierre affirme au verset 11 que Jésus-Christ est la pierre rejetée, que vous qui bâtissez avez rejetée. Et cette pierre est devenue la principale de l'angle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout ce que nous voulons entreprendre, si vous ne connaissez pas le nom de Yeshua bien comme il faut, il n'y aura rien. Et c'est ce que Dieu m'a fait comprendre. Au jour d'aujourd'hui, frère, je ne suis plus attaché aux hommes, attaché aux bâtiments. Aux... Non. C'est le nom de Dieu. Amen. J'ai vu des gens qui étaient là et qui disaient, si nous partons, tout va s'écrouler. Je leur ai dit, si tout s'écroule, j'arrête, je ferme la Bible. Si tout s'écroule, c'est que Dieu n'est plus Dieu, c'est juste le péché. Mais si Dieu est Dieu et que ce nom est puissant, vous allez partir. Quand deux partent, c'est vain que Dieu a pour vous, frères et sœurs. Et je vois la puissance qu'il y a derrière ce nom et comment Dieu honore sa parole. Frère, il est temps que chaque chrétien ait la révélation de ce nom et que chaque chrétien se balade avec ce nom partout. Et je vous assure, frères et sœurs, le réveil va commencer à se déclencher de plus en plus. Et les gens vont vous traiter de sorciers, de magiciens, parce que vous allez faire des choses qu'ils n'ont jamais, que des gens n'ont jamais vues. Frère, l'église est née, il y avait des choses de merveilles, des choses glorieuses. Et les gens qui étaient là, les religieux, ont vu ces pécheurs, ont vu mes amis, ces femmes, Marie de Magdala. Il y avait, tu sais, l'onction quand elle est, la gloire quand elle est descendue. Les gens ne voient plus le sexe des gens, frères et sœurs. Vous savez pourquoi beaucoup de gens disent non, la femme ne doit pas parler, c'est parce qu'ils n'ont pas compris Paul. C'est parce que ces pasteurs ne voient pas les femmes onctionnées, les véritables femmes de Dieu, frères et sœurs. Une femme qui est remplie du nom de Jésus de Nazareth, devant qui, frères et sœurs, les aveugles voient. Un religieux qui est aveugle, il va oublier que c'est une femme qui est devant lui. Il va recevoir l'imposition des mains, frères. Oh, alléluia. Devant la puissance qui est dans le nom de Jésus, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Frères, les gens sont malades. Les gens sont fatigués, ils ont besoin du nom. Ça vient. Tu vois, devant Goliath, mes amis, arrivé, il a terrassé les Hébreux, frères et sœurs. Les gens, quand ils appelaient Goliath, tout le monde craignait. Même le roi Saül, David avait reçu partiellement la révélation du nom de Dieu. David se lève, David prend mes amis des pierres simples. Un jeune homme, frère et soeur, un jeune homme. David se lève, il dit, tu viens contre nous, alléluia, avec la lance, avec le javelot, moi je viens contre toi. Alléluia, au nom de quelqu'un, frère et soeur. Le problème c'est quoi? C'est que nos Goliaths, ils ne tombent pas parce que nous allons avec des noms des hommes, avec des noms de nos parents, frères. On s'en fiche, le temps est arrivé maintenant pour toutes ces dimensions doivent tomber pour que le nom véritable soit révélé. Et si ce nom est révélé, frère et soeur, oh my God, alléluia. Ce nom-là. Voilà pourquoi il a occulté le nom du Père. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas comment notre Père Céleste s'appelle. On l'appelle seulement Père. Et quand on dit Jésus, il dit non. Mes frères, écoutez bien. Vous êtes un, je suis père de mes enfants, l'époux de ma femme, tout ça. Je suis le fils de mes parents, vous voyez? Non, je suis citoyen congolais, français d'origine congolaise. Une seule personne avec plusieurs fonctions, plusieurs. C'est ça, Dieu de gloire. Est-ce que c'est pour autant que Chora est plusieurs? Non, frères et sœurs. Nous sommes ici, nous invoquons Jésus qui se manifeste. En Australie, pareil, qui se manifeste, frères et sœurs. Est-ce que c'est pour autant qu'il y a trois Jésus, deux Jésus? Non, il y a un seul Dieu, frères et sœurs. Mais, oh, d'ailleurs, qui a plusieurs fonctions, plusieurs représentations. Le nom du Père. Jésus. La force de Pierre, c'était le nom. La force de Paul, c'était le nom. La force de Jacques, c'était le nom. La force de Matthieu, c'était le nom. La force de ces femmes, c'était le nom, frères et sœurs. Ils connaissaient le nom de leur Dieu. Et partout où ils allaient, c'était le nom. Quand dans Actes 19, Paul est arrivé à Éphèse, la Bible dit que Dieu faisait au travers de cet homme des miracles extraordinaires. Frère, on n'a pas encore expérimenté cela, frères et sœurs. Et ça vient. Et la Bible dit que les religieux ont observé Paul. Ils ont dit non, Paul a une magie. Il utilise une magie terrible. Ce magie s'appelle le nom de Jésus-Christ. Alors nous allons utiliser cette magie pour voir si ça marche. Le problème, c'est que cette magie, la frère et sœur, alléluia, mon Dieu, mon roi.
Il faut d'abord que ce nom, que tu sois dedans, que tu sois enveloppé par le nom. Quand les gens vont te voir, ils ne vont plus te voir toi. Ils vont voir le nom que tu portes, frère et soeur. Frère, derrière chaque nom, il y a un esprit. Derrière chaque nom, il y a une puissance. Derrière chaque nom, mes amis, il y a une action. Or, derrière le nom de Jésus de Nazareth, il y a un soi. Yahvé est celui qui te dit, Yahvé est salut. Derrière ce nom, il y a son excellence, le Saint-Esprit. Mais je vous assure, ce Saint-Esprit-là nous a dit, quand on touche à ses enfants, il s'excite, il s'élève. Vous savez, je vous dis une chose, les épreuves excitent l'onction qui est sur ta vie, mes amis. Les difficultés excitent, oh my God. Il faut que les gens se lèvent pour parler afin que l'onction qui porte, mes amis, qui est dans ce blanc-là, se manifeste. L'onction aime l'excitation, l'onction s'excite. S'il n'y a pas de détracteurs, s'il n'y a pas, mes amis, l'outrage, tu ne peux pas expérimenter la puissance qu'il y a dans le nom de Yeshua, frères et sœurs. Alléluia. Dieu presse une table devant, alléluia, ceux qui portent son nom. Et devant tes adversaires, il oint ta tête et ta coupe. Il y a des coupes, mes amis, il y a des coupes. Il y a des gens qui ont des coupes qui ne sont pas encore bien remplies. Mais il faut que les gens parlent pour que cette coupe, mes amis, soit remplie. Non seulement remplie, mais il faut qu'elle déborde. Oh, le nom de Yeshua. Frère, il s'y a. Non, il faut qu'il se passe des choses. Et il va se passer des choses. Je le proclame, frère et soeur. Vous savez, le réveil, c'est quand quelqu'un porte le nom de Jésus. Partout où cette personne part, il y a le réveil. Amen. Voici, n'est-ce pas, les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Oui. En mon nom. Non, non, je n'ai pas entendu. Amen. En mon nom. Il a. As-tu déjà chassé un démon? On n'a pas dit que voici les miracles qui accompagneront les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les grands théologiens. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais le problème, c'est que pour croire, il faut que tu connaisses le nom de la personne. Alléluia. Pour croire, pour qu'un homme tombe amoureux d'une femme, il faut qu'il l'entende. Il faut qu'il la voie. Il faut qu'il reçoive la révélation de ce nom. Alléluia. Pardon, Esther, mais Dieu, étoile. Tu vois, non? Oh my God. C'est quand tu reçois la révélation du nom de ton Créateur, mes amis. Vous savez, ce Dieu se révélait partiellement. Il se révélait sous la loi, bien avant la loi, en tant que El Shaddai, El Elyon, en tant que El Shaddai, Yahvé, ce qu'est nous, Yahvé, mes amis, celui qui guérit, Yahvé, Rapha. Mais la révélation du nom de Yeshua, en fait, dans le nom de Yeshua, il y a tous les noms de Dieu révélés avant la manifestation visible de ce Dieu, dont le nom est Yeshua HaMashiach. Ça veut dire que quand tu portes ce nom-là, tu deviens automatiquement le nom de El Shaddai au Père. Ah, c'est en fonction des problèmes qui sont devant toi, si Dieu veut te lever, si tu dois être au-dessus de tes ennemis, c'est le nom de El Elyon, le nom de Yeshua qui se manifeste. Dieu te prend comme un aigle qui te lève au-dessus de tes ennemis. Frère, ils vont voir tes ennemis de l'élévation, ils vont changer de langage. Il y a des gens qui changeront de la règle parce que, qu'ils ne veulent pas, Dieu, à cause de l'homme Yeshua, va élever ta personne, va élever ton ministère, va élever ta famille, ton foyer, restaurer ton couple de l'homme Yeshua. Et quand tu es face aux sorciers, dans le nom de Yeshua, c'est quand tu l'invoques, c'est le nom de El Shaddai, le Dieu tout-puissant, l'agneau de Dieu à sept corps. Frères et sœurs, devant la sorcellerie, oh les sorciers, les soyez les bienvenus chez nous. Vous allez goûter à la puissance qu'il y a, mais ça vient dans le nom de notre Dieu. J'aime les francs-maçons, j'aime les rosicruciens, j'aime tout ce qui sont dans Ekankar. Parce que Dieu permet, vous savez pourquoi Dieu a permis que Satan soit Satan? Pour que le nom de Jésus prenne toute sa signification. Sans Satan, comment peux-tu savoir que Jésus est grand? Dis à ton voisin que Dieu soit béni pour Satan. Donc plus tu as d'ennemis, plus le nom de Dieu sera puissant dans ta vie, plus les gens se lèvent. Il y a des choses qui arrivent ici, là, je vous dis là, mes amis, là. Vous savez, Moïse, Dieu, les enfants d'Israël étaient en Égypte. Les Hébreux, on les a persécutés, on les a accablés, merci, on les a écrasés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se multipliaient. Vous savez, ils n'ont pas pu les détruire. Maintenant, Dieu, oh my God, a permis qu'un enfant naisse, Moïse.
Mais Pharaon avait décrété que tous les mâles hébreux devaient être exécutés. Mais Dieu, dans ce même palais d'où était sortie cette loi, Dieu prend Moïse, il amène là-dedans, frères et sœurs. Et il demande à Pharaon de nourrir cet enfant qui allait un jour le combattre, frères et sœurs. Et Pharaon était entouré des magiciens qui voyaient l'avenir, soi-disant. Mais Dieu a fermé ce magicien qui n'a pas vu que ce enfant Moïse, frères et sœurs, allait être dans persécuté. Il y a des voyants qui ne voient pas, frères et sœurs. Le voyant ne voyant pas maintenant le nom de Yeshua, Amashia, frères et sœurs, oh my God. Frère, Moïse a mangé à la table de Pharaon. Moïse a bu le lait de Pharaon. Moïse a mangé le peu que Pharaon mangeait. Frère, mais Pharaon ne voyait pas cet enfant, il était un danger public, frères et sœurs. Parce qu'il allait recevoir la révélation du nom du Créateur, frères et sœurs. Oh my God. Frère, Dieu sort Moïse de l'Égypte à l'âge de 40 ans. Pendant 40 ans, Dieu le brise, Dieu le travaille. Le brisement de Moïse était, allait le permettre de rencontrer Dieu, de connaître la personne de Dieu, de recevoir la révélation du nom de Dieu. Maintenant, quand Moïse reçoit la révélation de Dieu, mes amis, il lui pose la question, tu m'envoies en Égypte pour libérer ton peuple. Mais là-bas, la divinité porte des noms. Il y a le Dieu Ra, il y a tout ce Dieu, il y a des grands magiciens qui sont des grands satanistes. Tellement moi, je paraîtrais devant eux pour dire que Dieu m'a envoyé. Mais si les hébreux me demandent, quel est son nom? Dieu leur dit, tu leur diras celui qui suit. Celui qui s'appelle Je suis. Ça veut dire quoi? Avant ta création, il est là. Oh frère! Frère, frère, voilà pourquoi Yeshua a dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis. Tu comprends, frère et soeur? Il y a si longtemps que je suis. Tu leur diras celui qui s'appelle Je suis. Oh my God! Il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Mes amis. C'est pas grave. Mes amis. Qui veut tomber amoureux de Jésus de Nazareth, frère et soeur? Oh, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et il dit, allez, allez et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les liens qui accompagneront ceux qui auront cru. Et à la fin, il dit, voici, je suis. Je suis. Ah, ça veut dire quoi littéralement? Ça veut dire que tous les jours, vous allez manifester la puissance, l'autorité qu'il y a dans mon nom que je révélais à Moïse, je suis, que vous avez reçu, vous avez reçu la pleine révélation, c'est-à-dire Yehoshua. Frère, tous les jours, ça veut dire que tant que tu n'es pas encore enlevé avec l'enlèvement de l'église, avec l'église, tant que tu n'es pas encore enlevé, le nom de Yeshua, tant que tu craindras Dieu, le nom de Yeshua est collé à ta personne. Donc, toutes les fois que les sorciers vont faire des réunions pour te manger, pour te sacrifier, ils vont échouer à chaque fois. Toutes les fois qu'ils vont se dresser contre toi pour détruire ta famille, ils vont échouer. C'est tous les jours, même quand tu es faible physiquement, tu n'as rien à craindre. Dors tranquillement, frères et sœurs. Dormez tranquillement. Dors tout le monde. Nous sommes un peuple dangereux. Les chrétiens avec ta leçon sont très dangereux. Dieu a permis que Satan soit Satan parce qu'il lui avait réservé une surprise, frère et soeur. Il est descendu sous la forme d'un homme. Il a révélé son nom à un peuple, une race. Dis à ton voisin, je suis une race. Je dirais la race élue. Hein? Oh. Laissez les chiens aboyer. Laissez les gens partir, ton voisin, laisse-les parler. Oh. Voyez, c'est oh my God, le nom de Yeshua. Est-ce que tu te rends compte que ton papa chéri, son nom signifie délivrance? Hein? Dans la délivrance, il y a la protection. Dans la délivrance, il y a la sûreté. Il y a la garantie. Dieu te garantit que l'éternité est en toi. Ça veut dire que Goliath est tombé devant David, alors que David n'avait reçu qu'une partie du nom. Toi, tu as la tonalité. Tu comprends? Yeshua, on a rajouté le Messie. Yeshua. Vous savez, Dieu m'a dit, vous savez, la première fois où l'on voit le nom de Yeshua dans les Écritures, vous le savez, c'est avec Moïse. Moïse devait envoyer
Il a envoyé 12 espions à Canaan. Et il prend Osée. Il change son nom en Josué. C'est-à-dire il y a Joshua. Moïse avait compris que seul le nom de Yeshua pouvait terrasser les divinités cananéennes. Tu comprends? Il a reçu cette révélation, mais il n'avait pas tout l'éclairage, contrairement à nous autres, nous l'Église. Ensuite, Moïse a libéré, selon les Écritures, près de 600 hommes hébreux de l'Égypte, sans compter les femmes et les enfants. Donc, les femmes, il y en avait certainement plus, et les enfants n'en prenaient pas. Donc, en tout, il devait y avoir plus de 3 millions de personnes qui étaient sorties de l'Égypte. Vous savez combien étaient rentrés à Canaan? 2. Josué et Caleb. Vous savez pourquoi Josué? Parce que Josué, c'est Yeshua. Ça veut dire que celui qui porte le nom de Yeshua, celui qui a reçu cette révélation, il va entrer au ciel. Quoi que les hommes disent, quoi que les hommes fassent, parce que tu portes ce nom-là, mon frère et ma soeur, tu vas rentrer dans ton héritage. Tu vas rentrer dans ton héritage. Tu vas atteindre les objectifs que Dieu a fixés pour toi au nom de Yeshua. Oh, que Satan écoute bien ce matin. Que les sorciers entendent bien ma voix ce matin. Que les détracteurs entendent bien ce matin ma voix. Frères et sœurs, qu'il pleure, qu'il neige, celui qui porte le nom de Dieu. Oh, ils ne te connaissent pas encore. Ils ne savent même pas qui tu es. Et bientôt, la vie, une explosion spirituelle va se produire dans ta vie. Bientôt, alléluia, ta famille. Je veux dire une chose. Joseph n'avait pas totalement l'éclairage sur le nom de Dieu. Mais grâce à Joseph, par Joseph, toute sa famille était sauvée. Et nous autres, maintenant, frères et sœurs. Donc les membres de nos familles, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos tantes, tout ça, parce que vous avez reçu le nom de Yeshua, continuez à craindre Dieu. Le feu du réveil va les atteindre, frères et sœurs. Le feu du réveil, frères et sœurs, va les atteindre les hommes. Que Satan ne veuille pas. Dieu cherche un homme. Et il a trouvé toi. Dieu cherche une seule personne. Le nom de Yeshua. Moi et le Père, nous sommes un. Regardez Pierre. Pierre arrive devant le temple de Jérusalem. Il voit cet homme boiteux de naissance. Cet homme s'attendait à recevoir quelque chose de la part de Pierre et Jean. Pierre et Jean le fixent. Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, qu'est-ce que tu as? Ce que j'ai. Donc le nom de Yeshua est un héritage que tu as reçu. Ce que j'ai, je te le donne. Frère, cet homme n'avait pas la foi pour être guéri. Il avait la foi pour recevoir l'argent. Donc, à cause du nom de Jésus, tu peux apporter la guérison aux gens qui n'ont pas la foi. Tellement ce nom est puissant. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yeshua, lève-toi et... C'est écrit, hein, il ne s'est pas levé. Le gars, il s'est dit, non, c'est un moyen pour moi de m'enrichir. C'est un handicap. Et toi, tu veux me guérir? Lève-toi. Pierre attrape sa main. Tac, il le fait se lever. Et le gars se lève dans sa pompe. Il commence à sauter, tout ça. Et toute là, les gens étaient choqués, complètement choqués. Et Paul, Pierre dit, c'est au nom de Yeshua que je fais cela. Frère, depuis que je sers le Seigneur, j'ai vu tout ce combat. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Sorcier, magicien, gourou, illuminé, égaré, filé pour lui. Ils ont fait des vidéos, ils ont fait des blogs. Le petit monde, le jeu de Chora. Ils ont inventé des choses, frères et sœurs. Et tout ça pour intimider. Pour que tu lâches. Mais frère, non. Ça, il y a des gens qui ne peuvent pas lâcher. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont vu. Je ne peux pas ne pas faire dire les choses que j'ai vues et entendues. Après, la Bible parle de Gabriel, j'ai vu Gabriel, j'ai parlé longuement avec Gabriel. Ah, je vais lâcher quoi? Tu vas parler, demain tu vas mourir, d'autres vont se lever, ils vont parler, mais nous continuons à faire l'œuvre parce que nous savons en qui nous avons cru. Frère, je vois certains changer de langage. Non, mais finalement, on s'était trompé. Pardonne-nous. Il n'y a pas de souci, je vous pardonne. Parce que dans le nom de Yeshua, il y a le pardon. Amen. Mais le pardon, là, n'explique pas les conséquences. Tu t'es pardonné, mais on ne travaille plus ensemble. Non, parce que tu es un rebelle. Tu étais faux. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, quand les fruits sont là, tout le monde veut manger.
Donc maintenant les fruits sont mûrs, il faut qu'on mange tout ça là-dedans. Mais quand il fallait travailler, tu n'étais pas là. Quand il fallait pleurer, tu n'étais pas là. Quand il fallait souffrir, jeûner, tu n'étais pas là. Vous savez pourquoi nous sommes là ce matin? C'est pas parce que nous sommes beaux. C'est parce qu'il y a le parfum. Le nom de Jésus est un parfum qui se répand. Waouh! Mes soeurs, mes frères, ceux qui veulent se marier, venez un peu. Vous qui voulez vous marier. Vous savez le secret, vous connaissez le secret. C'est pas le mariage. Le parfum qu'il y a dans le nom de Yeshua. Oh, je vous assure, frères et sœurs, le réveil qui commence là, le réveil qui arrive, c'est un réveil qui va apporter, mes amis, la pleine révélation du nom de notre Créateur. Et les gens vont se lever, les jeunes vont de plus en plus se lever. Ils vont accomplir des choses qui vont choquer les gens. Les gens diront, mais vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Vous avez 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Vous êtes des femmes. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Frère, je vous assure, il y aura une foule de sacrificateurs, une foule de pasteurs, frères, qui aiment Dieu. Que Dieu va récupérer, frères et sœurs. Et je peux voir des chants, les frères et sœurs qui chantent, qui ont une onction prophétique qui se lève. Et ils vont chanter, frères et sœurs, des mélodies célestes, des chants inspirés, des chants en langue, des chants prophétiques, frères et sœurs. Je vois des démons qui se lèvent. Je vois des maladies qui se lèvent. Frère, vous irez dans les hôpitaux, ça, avec une guitare simplement. Devant l'hôpital, pas à l'intérieur, devant l'hôpital, devant le pied de Nantes. Chantez, 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 chantez. Et je vous assure, vous allez voir, frères et sœurs, des handicapés se sortir comme ça, frères et sœurs. Frères et sœurs, le nom de Jésus de Nazareth. Oh! Oh, hallelujah. Il y a des fleuves d'eau vive qui arrivent ici. Des fleuves d'eau vive qui coulent en ces lieux, frères et sœurs. Alléluia, gloria mandabaka. Les liens familiaux, les chaînes familiales, les malédictions ancestrales, toutes ces choses, Dieu les renverse dans vos cœurs, dans vos vies, Dieu vous rend libre. Il vous la. Oh my God. Dieu vous apporte la liberté, la pleine liberté, frères et sœurs, que nous recevons grâce au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, frères et sœurs. Tu ne seras plus la propriété d'un homme, tu ne seras plus la propriété d'un esprit impur. Tu ne seras plus sous le contrôle d'un démon qui te manipule le nom de Yeshua. Tu ne seras plus sous le contrôle de cet héritage familial. Fini, fini, fini. Je parle à mes femmes ici. Dieu te fait, n'est-ce pas, remonter des ténèbres. Dieu te réveille d'entre les morts. Dieu te ressuscite au nom de Yeshua. Jesus Christ, pour le mec d'abord. Alléluia, alléluia, gloria, mandala, kasaka, tabaraba, leisha, labaka. Oh, alléluia, ton ministère qui était comme étouffé, comme bloqué. Par l'ennemi qui ne voulait pas te voir te lever, servir le Seigneur. Je te dis au nom de Yeshua, parce que tu as assez pleuré, parce que tu as assez jeûné pour cela. Dieu te dit, voilà, des fleuves de vie vont couler de plus en plus de ton cœur. Et les gens seront touchés, les gens seront abreuvés. Les gens qui ont soif seront complètement, alléluia, étanchés. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Le nom de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu révèle ce nom? Parce qu'il va vous envoyer en Égypte pour aller libérer son peuple. Il y en a ici qui vont aller confronter les pharaons spirituels. Vous allez confronter les religieux, vous allez confronter les pharaons pour aller libérer le peuple de l'Éternel des armées d'entre leurs griffes. Au nom de Yeshua, notre griffe. Alléluia, gloria, makasaka, la mana, shaka, la mana, la leisha. Amen, là, amen, là, c'est ça.
manifestation. Que le Seigneur est en train de guérir. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination, la domination, la domination, le royaume reposera sur son épaule. Le royaume. Dans le nom de Dieu, dans le nom de Yeshua, il y a la domination. Si tu reçois la révélation de ce nom, tu vas dominer sur d'abord la chair, tu vas dominer sur les esprits impurs, tu vas dominer sur la maladie. Par la grâce de Dieu, ça fait plus de 20 ans que je ne suis pas allé voir un médecin. Et je dis au Seigneur, jusqu'au jour de mon départ, j'arrive. Tu vas dominer sur la maladie. Frère, c'est possible. La domination reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable. Si tu portes le nom de Yeshua, si tu reçois la révélation de ce nom dans ton cœur, des choses admirables se manifesteront. Les gens vont admirer les choses que Dieu fait au travers de ton couple, de ta vie, de ton ministère. Ensuite, on l'appellera conseiller. C'est-à-dire, par ta vie, avant que tu ne parles, les gens vont recevoir des conseils. On l'appellera Dieu puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. On l'appellera, toujours cet enfant, prince de la paix. Beaucoup de gens n'ont pas la paix. Beaucoup de chrétiens, ils font semblant que tout va bien. Mais quand tu grattes un peu là, il y a tellement de souffrances, tellement de problèmes, tellement de maladies. Les gens n'ont pas la paix. Frère, de quoi souffres-tu? Quel est le problème de ta famille? Tu es là ce matin, tu sens que tu allais bien, mais quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a tellement de soucis, tellement de problèmes. Celui qui reçoit le nom de Yeshua, frère, plus rien ne l'inquiète. Plus rien. Plus rien. Les mauvaises nouvelles ne peuvent en aucun cas te débranler. Jamais.